fait du bien quand il pleut plus, hein. Faut que je te parle d'un truc. De quoi? Je te préviens, ça va pas forcément te plaire. Tu sais, on a vécu un crash d'avion, ça fait un mois qu'on bouffe de l'écorce d'arbre, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de pire. Je te quitte. Ben non. Si, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. On est sur une île déserte, t'as rencontré qui? Marianne? Bon, par contre, tu peux garder la tente. Ça, c'est normal. Non, mais ta tente de merde, là, tu peux la garder, hein. Mais je récupère mes affaires. Mes chaussures, mon bol. Et bah, c'est tout. Et je me casse. Non, mais ça va, le prends pas comme tu ça. Tu vas bien le regretter, ça. Connard! À la base, j'avais failli prendre un requin. J'ai pris celui-là. Il était plus facile que le requin, finalement. Puis le requin, de toute façon, la chair, elle est mauvaise. La dernière fois, on l'a vu. Ah, salut, Laurie, ça va? Ça va. Je reviens de la cueillette, donc si vous voulez vous servir, il y a pas de problème. C'est gentil, mais en fait, Nico a été pêché du poisson, il nous en a ramené, enfin. Bah, t'en veux, peut-être, je sais pas. Vous en avez de la chance, hein. Parce qu'à Paris, c'est à peine s'il savait cuire du riz, alors. J'avais pas de bol. Pas de bol de riz. Ah, on a appris pour toi et Nico. Et... C'est la vie, hein. Par contre, pour ce soir, je me disais que ça pouvait être sympa qu'on se retrouve tous les sept autour d'un petit feu que j'aurais préparé. Ce soir ça va pas être possible parce qu'on a déjà prévu un truc en fait. Vous avez genre un emploi du temps sur cette île Non mais c'est Nico et Marianne qui nous invitaient à faire un feu parce et que... du coup... Ah ok. Bah je comprends. Vous avez votre préféré quoi. Mais non mais c'est pas ça, mais c'est que moi j'ai... Donc, vous savez quoi, c'est pas grave. Parce que de toute façon j'avais une autre soirée de prévue. Bien mieux. À moitié à poil l'autre là. Enfin, en même temps, on est tous tout le temps à moitié à poil, il fait quand même 54 degrés. Ouais, mais elle, c'est pas pareil, tu vois, ça fait plus pute. Sometimes I win. T'as perdu un peu de poids, toi, t'es vraiment en forme. Je vais faire bon Z. Oh, on est amoureux. Alors on s'écrit des petits mots dans le sable. Mais vous êtes ridicule, vous avez quel âge? Laurie, t'es là? Laurie? Laurie? Ah! Oh. Nico, ça va? En fait, je voulais prendre de tes nouvelles parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Ça va très bien! Ah! Je suis parfaitement épanouie. D'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un. Ah, ok. Viens! Viens! Elle est timide. Je connais, ouais, c'est un ballon du... C'est un ballon, quoi. Il est content de te voir, regarde. Ok, ouais, mais c'est un ballon, du coup. Non, c'est pas un ballon, non. C'est Wilson. J'ai fait du volet dans ma vie, ça, c'est un ballon. Donc c'est pas ton mec. Moi, je t'ai pas fait chier quand t'as ramené ta pouffe, d'accord? De quoi? Il veut me faire un gosse? Il veut me faire un gosse, t'entends ça? C'est bizarre, hein, mais c'est... Ok, y'a pas de soucis. Non. Ok. Oui, Wilson. Moi, je vais y aller parce que... Un petit bébé, on l'appellera Lambert. Lambert Wilson. Ouais, ok.